Les résultats du baccalauréat malien session de juin 2024 sont proclamés ce vendredi 9 août 2024 dans les académies d'enseignement et sur toute l'étendue du territoire national. Ici, à Bamako, les émotions étaient partagées entre les élèves dans le lycée. Je suis très très contente d'avoir les bacs. Je ne peux même pas expliquer. C'est trop de joie pour moi. Bon, je suis seulement heureux et fier parce que 9 mois de travail a été bien payé. Je suis très heureux. Ça fait la 3e année que je le fais. Donc, ce sentiment, il est inoubliable parce que voilà, ça m'a pas surpris parce que j'ai un peu bossé pour ça, quoi. Le taux de réussite au niveau national est de 27,39% pour cette année contre 23,79% en 2023. Soit un taux d'augmentation légère de 1,6%, une amélioration due au déroulement normal de l'année scolaire. Je suis contente d'avoir décroché mon diplôme, avec mention assez bien, grâce à l'aide de mes camarades, de mes professeurs, de mes collègues, quoi. Tout le monde m'a un peu aidé, je peux dire ça. Aujourd'hui, j'ai obtenu mon bac avec mention bien. Je remercie le bon Dieu pour ces résultats satisfaisants. J'espère très bien que je suis prêt à rentrer dans cette nouvelle vie universitaire, vraiment avec courage. Le proviseur du lycée Banassou de Dravila Bolibana n'a pas manqué de féliciter les responsables de l'éducation nationale pour l'efficacité dans l'organisation des examens. À notre niveau, je pense que ça va, parce que comparativement à l'année dernière, il y a eu un très grand progrès. Parce que cette année, nous sommes au-delà de 44%. Donc l'année passée, pratiquement, nous étions à 35-36%. Donc au lycée, ici, cette année, ça va, il y a eu une augmentation. Si la réussite à l'examen du baccalauréat malien était un défi relevé par les admis, néanmoins, c'est un début du commencement, car les études universitaires ou supérieures au Mali sont aussi une aventure parsemée d'embûches. Thank you.